Allez, on commence. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. Qui est là? Bonjour à tous. Qui est là? Alors, nice you, mais je ne sais pas si cette personne est encore là. Andy Winifred est là, apparemment. Youssef Hall 007, alias James Bond. Stardust est avec nous. Roman est ici. Yossi est là aussi. Sundar est là. Evelyne Eve, bonjour. Omar est avec nous, Gloria est là. Alors attendez, Vincent, c'est une vidéo pour une tarte aux pommes avec une seule pomme. La fameuse, mais Ice Cube n'est pas encore arrivée, peut-être qu'elle sera là, la fameuse tarte à la pomme. C'était juste avec une seule pomme. Victoria Jacques, coucou. Victoria Possé, bonjour. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Strange 73, ça c'est intéressant comme nom. Je ne sais pas qui c'est. Denora Olson est là aussi. Annabelle est avec nous. Rihanna, coucou. Hillary est là aussi. Gloria, peut-être que j'ai dit. Cassandra, Chanard, bonjour. Sedat, bonjour, bonjour. Bah, écoutez, on va commencer si vous voulez bien. C'est dans 4 jours, c'est samedi. Dans 4 jours, c'est la fête. C'est la fête de la chaîne. Youpi, youpi, ça fait 14 ans. 14 ans, mesdames et messieurs, c'est beaucoup. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer. On va essayer encore une fois d'aller jusqu'au 100 likes. Yann Arte nous rejoint. Bonjour. Alors, comme d'habitude, je vais juste vous recommander deux choses. La chanson du jour. La chanson du jour, eh bien, je l'ai écoutée aujourd'hui. C'est une chanson d'MC Solar qui n'est pas très très récente. Elle a peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Sonotone, une chanson très sympathique et très intéressante. Donc, si vous voulez regarder et les paroles, bien sûr, et écouter la chanson, je vous invite à le faire. Stéphanie John nous rejoint. Bonjour Stéphanie. La deuxième chose, eh bien, c'est un film, le film du jour. Et le film du jour, eh bien, c'est un film qui n'est pas récent. Ça s'appelle Le cœur des hommes. Il y a eu 3 films qui ont été dans la série. Et ça, c'est le premier. C'est un film de Marc Esposito et avec des acteurs qui sont des acteurs intéressants, des acteurs français. Donc, si vous avez envie de pratiquer avec un film qui est assez intéressant, regardez Le cœur des hommes. Voilà. Allez, bonjour Ayush. Allez, on commence avec la question du jour. La question du jour, eh bien, la voici. Si vous pouviez changer quelque chose à Paris pour en faire une ville parfaite, que changeriez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui parfois vous agace, que vous n'aimez pas trop à Paris et que vous voudriez changer, modifier, enlever, ajouter, je ne sais pas, une chose, allez-y, alors enfin une chose, mais une phrase, hein, bien sûr, faites une phrase, merci. Alors, Sundar pose la question, qu'est-ce qu'on va faire pendant l'anniversaire de la chaîne? Je n'ai aucune idée, personnellement, et je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez des idées proposées. Vous, Slat, qui nous rejoint, bonjour. Yulia qui dit que peut-être on pourrait manger de la raclette. Oui, je pourrais avoir ma raclette derrière. Tchac! Je mange de la raclette et de la tarte aux pommes. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Cheryline nous rejoint. Coucou, coucou. Yulia qui dit une ville parfaite, c'est la ville avec des toilettes. Eh bien voilà, Ice Cubes, la spécialiste de la tarte à la pomme, nous rejoint. Allez, bonsoir Ice Cubes, on espère que vous allez bien. Et puis Vinetta nous rejoint aussi.
Alors, Rihanna qui nous dit, eh bien, les rues de Paris devraient être lavées tous les soirs. Donc, Julia qui dit une ville avec des toilettes. Et Rihanna nous dit qu'il faudrait que la ville soit noyée. Laver tous les soirs. Victoria Possé qui dit « Je ne changerai rien ». Et Ice Cube qui rit. Alors, Victoria Jacques qui dit « Je me débarrasserai des rats, je n'aime pas les rats ». Alors, Victoria Jacques, rien de personnel, rien de terrible. Mais comme je vous l'avais dit, j'ai aussi eu le plaisir d'habiter à New York. Hein? Et je crois que je n'ai jamais autant vu de rats que dans cette ville. À Paris, j'en ai vu, mais pas pareil. Hein? Et là, c'est des rats qui dansent, hein? C'est des rats qui sont très énergiques. Alors, Mercury Allman qui nous dit, eh bien, comme Julia, j'ajouterai plus de toilettes publiques. Eh ben voilà. Stardust qui dit, je ne changerai pas Paris, c'est une ville très belle et adorable, très culturelle et colorée. Ah ben oui, vous voyez Stardust, là, on parle de choses techniques comme les toilettes et la propreté, je ne sais pas. Yossi qui dit, nettoyage de la ville. Il y a beaucoup de pollution. Annabelle qui dit rendre Saint-Germain plus propre. Alors Saint-Germain, oui, ok, d'accord. Très spécifique, hein, Annabelle. Cassandra, je pense que Paris est déjà une ville parfaite, nous n'avons rien à changer. On peut toujours changer des choses. On peut améliorer. Hein. Omar, j'ai visité Paris 3 fois et je ne peux pas dire que je la connais, mais une chose que je pourrais ou qui pourrait être meilleure sont des escaliers pour la sortie du métro. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que dans certaines situations, c'est difficile. Alors, ça dépend aussi pour l'accessibilité. Denora qui nous dit faire la ville plus facile, donc pour la visiter à vélo, effectivement. C'est possible, il ne faut pas avoir peur. Moi, personnellement, j'adore faire du vélo à Paris, ou même du scooter maintenant, là, de la trottinette. Chériline, rapprochez-le de l'équateur pour qu'il ne fasse pas trop froid pendant nos vacances d'été. Ah, Chériline, je pourrais retourner la caméra et je pourrais vous montrer, Chériline, derrière. Et là, vous auriez très peur. Vous, Slat, je ne changerai rien. Hillary qui dit, je veux un métro sans des pickpockets. Ah, ça, c'est difficile. Ah, ça, ouais, c'est très, très difficile. Hein. C'est difficile. Sundar, Paris est parfaitement une belle ville, donc je pense que ce n'est pas nécessaire de changer des choses. Oh, on peut! Et Victoria Jacques qui dit, oui, les rats qui tic, tic, tic. Ah, c'est horrible. Ah, j'ai vu des rats qui sautent sur les marches. Impressionnant. Roman, je ne sais pas, mais peut-être que les lois politiques de la ville. D'accord, si vous voulez. Yann Arte, réduire la voiture dans la ville. Et Ice Cubes qui dit, je changerai l'inégalité entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. Allez, on essaye de cliquer, on essaye d'arriver aux 100 likes, s'il vous plaît. Je pense que ça devrait être possible. Il faut être optimiste dans la vie. Alors, Hero King nous rejoint pour notre exercice de vocabulaire. Alors, comme hier, en préparant l'exercice sur les emojis, j'ai trouvé d'autres emojis. Je me suis dit, pourquoi pas faire un exercice de vocabulaire avec les emojis. Alors, regardez, on va commencer avec le premier. Donc, c'est vraiment un exercice de vocabulaire. On va voir une image. Vous me dites ce que c'est. D'accord ? Vraiment, vraiment, une question très simple. Qu'est-ce que c'est ? Écrivez-moi le mot, allez-y. Thank you.
Alors, Hero King qui nous dit que Hero King voudrait changer la politesse des Parisiens et des commerçants. Ça, c'est difficile, hein, de changer les habitudes des gens. Victoria Jacques, j'espère voir des photos de votre raclette. Alors, je pourrais faire vous. Je vais préparer une présentation de l'appareil et de la manipulation. Parce que c'est très facile. Alors, Stardust qui nous dit que c'est un arabe qui prie. Oui, alors, je pensais juste à des choses qui étaient beaucoup plus basiques ici. C'est plus tout simplement. Ah, je montre les mains propres. D'accord. Oh, regardez, excusez-moi, j'étais pas clair. Moi, j'attendais juste du vocabulaire, pas vraiment une interprétation, hein, mais c'est juste les images et hop, on met le vocabulaire. Alors effectivement, ça peut être associé à la prière. Hein. Prière, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Omar qui dit donc « je me suis lavé les mains ». Julia, on peut faire l'inverse. Vous dites une émotion et nous donnons un emoji. Je crois que ça correspond à ça, l'émotion. Non, ici, on est d'accord que c'est juste un exercice de vocabulaire. Donc, pas d'interprétation, si c'est possible. Ici, c'était des mains, nous sommes d'accord. Je pense que je n'étais pas très clair dès le départ. Maintenant, on va continuer comme ça. Nous allons parler du corps. Hein. Allez, on attaque avec le deuxième. Hop, le deuxième, qu'est-ce que c'est ? Alors, et Cheryline qui nous rappelle effectivement qu'il faut se laver les mains pendant 20 secondes. Hein. Vous comptez jusqu'à 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20, et c'est pas mal. Vous le faites en français. Faites-le en français, comme ça vous pratiquez. Alors, patiente comme un bourgeon, je ne connaissais pas l'expression Ice Cubes. Julia qui nous dit un jambon. Alors, le jambon, c'est ce que vous mangez. Et le cannibalisme n'est pas bien. Ça n'est pas bien, donc ça n'est pas possible. C'est une jambe. Hillary qui nous dit une jambe, effectivement. Hero King qui nous dit une jambe aussi. Omar qui nous dit une jambe. Stardust qui nous dit le sport est amusant. Stardust, juste du vocabulaire maintenant. Vous mettez si c'est féminin ou masculin. Effectivement, c'est une jambe. AS, attention, ça n'est pas un pied. Le pied, c'est uniquement la partie inférieure que nous allons voir. Là, c'est la totalité, c'est une jambe. Très bien, Sundar qui est « je suis en forme ». Très bien, Béatrice Tan, membre inférieur. C'est une jambe, regardez, jambe et féminin. Le jambon, attention, hein, Julia, c'est ce que vous mangez. Troisième chose, regardez, qu'est-ce que c'est? Écrivez-moi le mot avec l'article. Non, Ice Cube, c'est pas du jambon. Oui, c'est ça, oui, c'est ça le jambon, oui. Allez, on y va. Alors, je regarde. Oui, c'est bien, effectivement. Faites attention, Sophia X et Hero King, faites attention. Ici, on va rester sur le singulier, d'accord? On ne va pas mettre le pluriel. Comme ça, on peut savoir l'article. Et l'article, c'est un, puisque c'est masculin. Donc, c'est un pied, effectivement, un pied. Pas de problème. Vous, cela, faites attention, ça n'est pas une jambe. La jambe, c'était la totalité. Et on a vu la jambe tout à l'heure. Là, c'est un pied. Un pied numéro 4, regardez, qu'est-ce que c'est? Allez-y.
Alors attention, Chériline, je dis oui, d'accord. Julia, non, un oreiller, c'est pour mettre l'oreille. C'est une partie du lit, c'est comme un coussin, mais sur lequel vous allez dormir. Donc ici, c'est une oreille, faites attention, c'est féminin. Pour l'instant, je regarde, c'est très bien écrit. Roman, vous le mettez au pluriel si vous voulez, mais l'idée, c'est d'avoir effectivement ici le... le singulier pour savoir que c'est féminin. Ice Cube qui dit « Je ne t'entends pas bien ». C'est l'âge. Ça, c'est l'âge, Ice Cube. Ice Cube commence à vieillir. Pardon ? Allez, on continue avec numéro 5. Numéro 5, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Hein? Mais oui, d'accord, ça c'est un like, Hero King, mais ça c'est pas un like ce que je vous montre. C'est... Oh, attention, ça c'est intéressant parce que regardez, c'est féminin. C'est féminin, c'est une dent, hein? On est d'accord, le T final n'est pas prononcé, vous prononcez uniquement la nasale. Une dent, c'est une dent. Je regarde, faites attention pour les personnes qui ont mis le masculin. Non, 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 ça n'est pas masculin du tout, c'est féminin. Allez, numéro 6. Numéro 6, qu'est-ce que c'est ? Alors, docteur Rajnayana nous rejoint. Bonjour, bonjour, c'est un exercice de vocabulaire. Essayez de trouver, eh bien, le mot qui correspond à ce dessin. Alors, Rock, attention, rafraîchissez, nous ne sommes pas synchronisés, Rock. Donc, c'est effectivement un cerveau, c'est masculin, cerveau, et on l'écrit C-E-R-V-E-A-U, nous sommes d'accord, c'est votre cerveau d'aujourd'hui, nous dit Ice Cube, c'est bien. Numéro 7, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mettez-moi l'article, s'il vous plaît aussi, un ou une. Alors là, oui, l'idée c'était de mettre le singulier, hein, et le singulier c'est un œil. Un œil, ouais, c'est masculin. Bon, Julia nous a mis le pluriel, hein, les yeux, pourquoi pas, mais là, idéalement, il n'y en avait qu'un seul. Donc c'est intéressant, vous avez la forme du singulier, un œil, et vous voyez que Denora aussi a donné le pluriel c'est les yeux. Allez, on continue avec le numéro 8. Et le numéro 8, Chériline, mon œil. Il faut faire comme ça, mon œil. C'est possible. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? S'il vous plaît, allez-y. Alors, regardons ensemble. Oui, c'est féminin. Faites attention, Julia, c'était féminin. Yann Arte, le cœur, pas vraiment. Ici, c'était juste la langue. Hein. La langue. Ensuite, Laura qui nous dit ça. Julia qui dit un bisou français. Mais non, c'est la partie du corps. Voyons, voyons, voyons. Numéro 9. Allez, numéro 9, qu'est-ce que c'est ?
Alors, Youssef aime bien la musique, tant mieux Youssef, si vous n'avez pas cliqué, il faut cliquer, hein, rien que pour la musique. Alors ici, effectivement, ah oui, tout à fait, regardez, on va le rajouter, ça pouvait être une bouche, je pensais aux lèvres aussi, si vous préférez, donc une bouche, c'est féminin, B-O-U-C-H-E, comme vous avez écrit, c'est parfait, ou alors, si vous parlez des lèvres, eh bien, c'est féminin, par contre, je ne l'avais pas marqué. Excusez-moi, attendez, voilà. Donc c'est, eh bien c'est féminin, on va le mettre comme ça. Féminin pour les lèvres, et puis on pourrait rajouter effectivement une bouche. Attendez, je vous le mets, hop là, voilà. Donc une bouche ou des lèvres, effectivement. Vous, Slat, nous avez mis le singulier, une lèvre, eh bien c'était parfait. Allez, on continue avec le dernier, numéro 10. Numéro 10, eh bien qu'est-ce que c'est ? Ice Cube qui dit non monsieur, non, les lèvres c'est comme ça, voyons. C'est vrai que c'est oui, mais ça c'est un bisou. Non, c'est un bisou, c'est pas les ouais, c'est pas clair, c'est pas très très clair, hein. Alors, d'accord. Ah, sans les dents, d'accord. Bon, ici, c'est un cœur. C'est un cœur, Sundar, qui pense que c'est un foie. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est un cœur, effectivement. Faites attention, Denora, l'ordre des lettres, c'était presque ça, mais il faut juste réorganiser. Voilà, un cœur. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet exercice qui était assez intéressant. N'oubliez pas de cliquer, merci beaucoup. Souvenez-vous, nous sommes à 55 likes. Idéalement, nous en voulons 100. Alors, à vos téléphones et à IceCubes qui nous met un cœur d'artiste. Je ne sais pas pourquoi ça se bloque. Voilà, j'ai cliqué pour accepter. À vos téléphones, souvenez-vous qu'à vos téléphones, eh bien, c'est la possibilité de partager un moment ou de partager tout simplement une belle photo ou plusieurs belles photos. Vous envoyez votre photo avec un petit texte en français à l'adresse vosphotos@fluentoplus.com. Voilà, et nous commençons avec Victoria Possé qui est là. Victoria a envoyé, eh bien, une belle lettre. Bonjour, félicitations pour les 14 années de travail. Je veux partager avec vous ce petit gâteau que j'ai fait moi-même en demandant de l'aide à ma fille, car je ne suis pas une bonne pâtissière. Je crois que je suis meilleure cuisinière et ma petite fille l'a décorée pour vous. Elle est petite, elle a 8 ans. Oh, 8 ans, c'est formidable. 8 ans, c'est formidable. L'âge de l'innocence, c'est très mignon. On continue. Je veux que vous le receviez avec mon affection. Parce que je suis très reconnaissante pour les 5 années que j'apprends le français donc avec vous et surtout cette dernière année si compliquée que nous avons tous traversé de cours en ligne pendant lesquels j'ai beaucoup appris. C'est vrai, c'est vrai que c'était une année intense, bizarre, mais finalement formidable parce que je vous ai tous rencontrés et ça, c'est, je trouve que c'est très chouette. Alors, 5 années avec vous de grammaire, de conjugaison, de phrases, de nombres, de phonétiques, de dialogues, de voyages avec les peintres français et ces vidéos de marche à travers Paris. Moi, j'aime bien filmer quand je marche, qui m'ont donné envie d'y aller tous les jours. Et pour finir, les vidéos de jeux aussi avec Nicolas, que j'ai vu avec ma petite fille. C'est vrai qu'on s'est bien amusé avec Nicolas pour filmer ces choses-là. Je transmets à ma petite fille mon amour pour la langue et la culture
française. Je veux qu'elle aime le français comme moi. Le dernier voyage que j'ai fait à Paris, ils sont venus avec moi et ma petite fille a déjà le français dans ses veines. Et ça finit avec « Je ne pouvais penser à aucune autre façon de vous remercier. J'espère que vous l'aimez. » Et au fait, c'était délicieux. Ça, c'est la frustration. Je ne peux pas le manger. Respectueusement et comme chaque jour, je vous dis merci. Merci à vous. Merci à vous, Victoria Possé. Quel magnifique gâteau. Et quelle magnifique lettre. Merci beaucoup. Je suis très, très touché. Alors, petite question. Est-ce que vous aimez faire de la pâtisserie? Et pourquoi? Est-ce que vous aimez faire de la pâtisserie? Pourquoi? Une petite phrase, s'il vous plaît. On y va. Alors, Edgley ou Edgley Costa is joining us. Yeah, in that case, be careful because this lesson is only in French. Okay, tomorrow it will be in French. The day after, it will be in English and in French. D'accord? So, at this level, it's like intermediate. So, that's the reason why I'm only using French. D'accord? So, you can join in 2 days and then it will be at the same time in English and in French. Alors, Yesero qui s'exprime plutôt comme un consommateur, mais pas comme un producteur. Yesero qui dit « ça me donne envie de manger, c'est un beau gâteau ». Riena, oui, j'aime faire de la pâtisserie parce que j'aime manger la pâtisserie, et ça, c'est une bonne raison. Ice Cubes qui dit « j'adore faire de la pâtisserie, spécialement les tartes ». Je me souviens. Fatima qui dit « Victoria, c'est génial ». Et c'est vrai qu'il est magnifique, Victoria. C'est votre gâteau est magnifique avec les bougies que j'ai envie de souffler. Mais ça ne marche pas, malheureusement. Yesero qui dit « Je ne sais pas faire de la pâtisserie, mais je voudrais apprendre à en faire ». Omar qui dit « Je ne suis pas cuisinier ». Et encore moins pâtissier. Ma femme est une artiste de la cuisine, sans faire rien de compliqué, mais c'est toujours délicieux. Ça, c'est formidable. Les choses simples mais délicieuses, c'est incroyable. Mercurialman, j'aime la décoration. Je pense que ça aura un goût délicieux. Je pense que ça avait un goût délicieux. Je pense qu'ils ont tout mangé. Stéphanie, j'aime faire des pâtisseries parce que ça me tient occupé à la maison. Et mon mari aime beaucoup. Et ça, c'est bien, Stéphanie, hein. Vous vous faites plaisir et vous faites plaisir à votre mari. C'est formidable. Victoria Possé, la pâtisserie que j'aime le moins faire dans la cuisine. C'est très difficile. Oui, la pâtisserie, c'est vraiment, vraiment très, très précis. C'est très difficile d'être un petit peu olé-olé avec la pâtisserie. Gloria qui dit « parce que j'aime manger la pâtisserie ». Mais bien sûr, Yossi, je ne fais pas de pâtisserie. C'est la spécialité de mon épouse. Chacun ses spécialités, il faut respecter ça. Yann Arte qui dit « oui, et c'est très bon ». Victoria Jacques qui nous dit « pas vraiment, j'aime faire un repas ». Nous avons vu les photos magnifiques. Parce que tu n'as pas vraiment besoin de mesurer. Oui, c'est ça. Mais c'est beau, Victoria. C'est ça, en fait, hein. La cuisine, on peut se permettre des approximations. La pâtisserie, c'est pas possible. Laura qui dit « Je fais des gâteaux sans gluten pour ma fille. » Eh oui. Hilary qui nous dit « Oui, j'aime faire de la pâtisserie pour mes enfants, mais je ne mange pas parce que ça me fait... »
Ah ben ça fait grossir, hein. C'est le problème, c'est le problème de la pâtisserie, hein. Et c'est dommage. Vous, Slat, oui, j'aime bien faire de la pâtisserie car j'aime beaucoup les offrir à mes amis. Dénora qui dit la raison est une célébration et très importante pour tous. Michael Oliveras qui nous rejoint, bonjour, bonjour, n'oubliez pas de cliquer sur like, Michael. Sundar, oui, j'aime faire une pâtisserie, j'ai essayé il y a plusieurs mois, c'est un peu difficile à faire. Roman, oui, j'aime faire de la pâtisserie, surtout les gâteaux. Sophia X, j'adore faire de la pâtisserie car je l'aime beaucoup, surtout la pâtisserie française. Yulia, j'aime bien faire de la pâtisserie, mais je ne sais pas pourquoi. Normalement, je suis une artisan terrible, mais à la pâtisserie, je fais bien. Peut-être que je respecte beaucoup les desserts. Peut-être, on ne sait pas. Stardust, oui. J'aime la pâtisserie. Je fais tous les gâteaux et tartes d'anniversaire pour mes amis. Oh, et aussi des gâteaux à thème. Un gâteau a pris 3 jours pour être fini. C'était très amusant pour moi. Qu'est-ce qu'un thème, ça veut dire? Avec une décoration thématique alors? Waouh! Cheryline, oui, parce que c'est comme mon travail en laboratoire. Suivre des recettes, protocole, en utilisant différents ingrédients réactifs. Mais il faut pas mélanger, hein, Cheryline. Il faut pas vous tromper. Hein, le gâteau au laboratoire, il faut pas faire ça. C'est pas bien. Omar, Victoria, c'est très joli ce que tu as fait avec ta fille pour notre professeur. C'est vrai. Victoria, merci, merci, merci beaucoup. C'était très très gentil. Merci. Et donc n'oubliez pas que comme Victoria, vous pouvez partager vos photos avec un petit ou un long texte. Il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de le mettre et de le lire. Allez, notre exercice habituel, trouver un mot. Et là, eh bien, écoutez, trouver un mot qui commence par S, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, regardons. Yanarté qui nous dit ben, salut, effectivement. Alors, Julia, oui, mais vous n'aimez pas mes chiens colorés. Oui, j'ai pardon. C'était pas des gâteaux. Si, c'était. Non, c'était pas des gâteaux. Cassandra, savoir. Olga, oui, j'aime faire de la pâtisserie. Ah, Olga, rafraîchissez. Laura, la santé. Vouslat, une souris féminin. Dénora, la satisfaction. Julia, le subjonctif. Hilary, un sentiment. Yesero, un sourire. Victoria, Jacques, soupçonné. Avec une loupe. Comme Sherlock Holmes. Ayush, alors Ayush, rafraîchissez, vous êtes un peu en retard. Stardust, le stress. Roman, sortir. Victoria Possé, solitaire. Sophia X, sympa. Yossi, une serrure, très bien. Michael, se souvenir, peut-être, ou un souvenir, alors je ne sais pas. Le verbe, Michael, se souvenir. Le substantif, le nom, un souvenir. Omar qui nous dit sommeil, le sommeil. Riena qui nous dit sympathique. Stéphanie qui nous dit un serviteur. Renato qui nous dit bonsoir à tous. Bonsoir Renato, participez. Olga qui nous rejoint. Coucou, coucou. Alors, Renato qui nous dit le sommeil, oui. Sundar qui nous dit solitaire. Cheryline.
Mais parce que c'est loin, à chaque fois j'ai du mal avec. Alors, spectrophotométrie, très bien. Et puis Rock qui nous dit une soirée, attention Rock, deux E pour une soirée, le premier avec l'accent aigu et le deuxième E sans accent. Allez, on continue avec un mot qui commence par G. Alors, c'est Renato qui commence et qui nous dit « gîte ». Ouais, faites attention, Renato, c'est masculin. Un gîte, si on parle de l'endroit où vous pouvez dormir et vous organiser des fêtes, c'est masculin, un gîte. Vous slate une gravure, Stardust un gâteau. Ouais. Victoria Jacques, gourmand. Alors oui, gourmand, adjectif, féminin gourmande. Hilary qui nous dit une grand-mère, très bien. Stéphanie qui nous dit un grand-père. Omar, un galvanomètre, d'accord. Annabelle qui nous dit génial. Très bien, génial, avec un E pour le féminin, sans E pour le masculin. Julia, gaufre. Est-ce que c'est un gouffre, peut-être? Yossi, une grammaire. Yessero, glisser. Très bien. Laura, un gâteau. Rock, un gâteau aussi. Faites attention, Rock, vous l'avez mal écrit. G-A-T-E-A-U. Yann qui nous dit jante. Qu'est-ce que vous voulez dire avec gentiane? Je ne suis pas sûr si c'est... faites attention, je ne crois pas que ça existe, celui-là. Victoria Possé, grand, effectivement, féminin, grande. Sri qui nous dit goût, masculin, le goût. Vichante qui nous dit gérant, le gérant. Romande, gardé, d'accord. Ensuite, Sundar qui nous dit grossir, un verbe... Qui est intéressant, pas très sympathique toujours, mais que nous avons utilisé cette année. Denora, un général. Cassandra, gratuit. Ouais, adjectif féminin avec un E, gratuite. Olga qui nous dit un gendarme. Stéphanie, une grand-mère et une grand-mère grillée. Stéphanie, stop! Qu'est-ce que c'est une grand-mère grillée? Une grand-mère sur le barbecue? Non! On a dit qu'on ne mange pas les gens. Rihanna, gagné. Cherylyn, un... Oh, à chaque fois j'ai du mal. Un glucuronidation. C'est des mots terribles, hein. C'est des mots terribles, hein, Cherylini. Il faut couper avec le travail. Couper avec le travail, choisissez d'autres mots. Michael, grossir. Sophia, les gants. Gigates, guérir. Julia, gaufre de Bruxelles. Oh, les gaufres, ça c'est délicieux. Une bonne gaufre. Alors là, Gloria, guillotinée. Oui, ou la guillotine, qui est l'instrument. Yann Arte qui nous dit gentil peut-être. Ice Cubes, les gars. Eh oui, effectivement, les gars, c'est pas mal. Dessarlika nous rejoint, coucou, et il nous dit directement la gorge. Allez, trouvez-moi un mot qui commence avec I, s'il vous plaît. Alors, Julia qui commence avec introverti hein, en français. Denora, idéal. Laura, ici. Hiroking, isolé. Dessarlika, ironie. Ironie féminin. Une chanson intéressante d'un un chanteur, Stéphane Escher. Ironie du sort, oui.
Oh Hiro. Oui, elle est pas mal cette chanson. Je vais pas vous la chanter. Sophia X, Isolé. Renato Imparfait. Giovanni Iglesias. Non, ça n'existe pas, Giovanni. Victoria Jacques, Ivresse. Ça faisait longtemps, hein, Victoria Jacques. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Sri, une île. Hillary, intelligent, intelligente. Omar, illusion, une illusion, très bien. Sundar, isolation, féminin, une isolation. Multifandom, une idée, très bien. Ice Cubes, une inflation, une installation. Vouslat, un igloo. Ouais, faites attention, igloo, c'est O-O. Victoria Jacques, inutile. Yossi, ivre. Stardust, immature. Dessalika, impeccable. Cassandra, indispensable. Annabelle qui nous dit intuition. Gigates, illustre, très bien. Cheryline, oh non, oh non, non. Cheryline, je vais faire des cauchemars si vous continuez. Parce que déjà, vous avez pris l'habitude, vous avez vu que Cosmina l'a fait, et vous faites comme ça. C'est une torture, je ne veux pas. Stéphanie, important. Rock, il. Giovanni, intéressant. Roman, intensité, féminin, une intensité. Ben Terdongo, incroyable. Olga Ruiz, illusionniste. Ice Cubes, inégalité. Yann Arte, importante. Oui. Importation, nous dit Stéphanie. Riena, intelligent. Yessero, imprimé. Alors, très bien. Et Michael, igle. Qu'est-ce que c'est un igle? Ça n'existe pas encore, Michael. Merci beaucoup, en tout cas. Allez, si vous n'avez pas encore cliqué, eh bien c'est la possibilité de cliquer. N'oubliez pas que l'idée, c'est d'arriver à 100 likes. Je pense que ça doit être possible normalement. Allez-y. Oh, tiens, je n'avais pas fait la modification. Les nombres du jour. Les nombres du jour, eh ben, on va commencer directement. C'est la dictée de nombres. La dictée de nombres, bien sûr, comme nous sommes à un niveau intermédiaire, je pense que je vais les lire juste une seule fois, les premiers. Bien sûr, ici, il n'y a qu'un seul chiffre. 6. 6. Alors là, c'est clair, pas de problème. Effectivement, c'est 6. Très bien. Edgay, no problem. Alors, très bien. Hein, Laurent. Ah, c'était pas Laurent. C'était Frédéric hier. Frédéric avec une nouvelle incroyable. Incroyable, cette nouvelle. Allez, numéro 2. Numéro 2, effectivement, comme d'habitude, nous aurons deux chiffres. Attention, je vais juste lire une seule fois. 92. 92. Alors, je dis bravo, effectivement, là c'est 92, pas de problème. Attention Stéphanie, vous étiez un peu trop généreuse, mais ça n'est pas grave. Alors, Ariane Mishra, this lesson is only in French. If you want to join the lesson in English, it will be in 2 days.
D'accord. Tomorrow it will be still in French because it will be for advanced students. And then the day after it will be in English and in French because it will be for beginners. So you just need to remember to join in 2 days. And then after that, it will be really, really nice. Allez, on continue. Ici, c'était 92. 92, eh bien, c'était 9 et 2. 9 et 2. Alors, attendez, Ice Cubes, on doit deviner le prochain. Ben non, regardez. Troisième avec trois chiffres. Trois chiffres, attention, une petite seconde. Urmila qui nous rejoint. Bonsoir Urmila. Attention, attention, on y va. Une seule lecture et c'est 402. Allez-y. Alors, Mbombo nous rejoint. Bonsoir, bonsoir. Nous faisons une dictée de nombres. Alors là, oui, très bien, effectivement, hein, je dis bravo, 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 je n'ai rien à faire. Attention Stéphanie, un peu trop généreuse, c'est pas grave, ne vous stressez pas Stéphanie, il faut faire des erreurs. C'est normal et après tout ira bien. Denise nous rejoint. Denise, comment allez-vous? J'espère que la vie est belle. Bienvenue. Allez, c'était 402 et en plus elle nous l'écrit en toutes lettres, c'est magnifique avec Denise. Quatrième, s'il vous plaît, le quatrième. Alors attention, hein, on en a quatre là, bien évidemment. Une seule lecture. 6815. Allez-y. Alors, Edgley Costa, did it today, you almost get it right when saying my name. I'm doing my best. Hein. Alors, ici, regardons ensemble, hein, ça va assez vite, vos réponses. 6000, donc là, il n'y avait pas de problème. 800, hein, donc 6800, et finalement 15. 6, 6, 8, 1 et 5. Allez, on continue avec, eh bien, le numéro 5. Le numéro 5, eh bien, regardez, pim, 5 chiffres. Ensuite, 5 chiffres, voilà, je vais le dire parce que Edgley Costa qui me dit you did it right. Ouais, super. Attention. 72 509. Allez-y. Que se passe-t-il, chère Iline? Que se passe-t-il? Vous m'inquiétez. Vous m'inquiétez normalement, chère Iline. Ne fais pas d'erreur. Voilà, mais peut-être qu'elle est restée trop longtemps dans le laboratoire. Ici, regardez, c'était... Ah bah oui. Chère Iline, elle a corrigé après. 72 000. Donc, vous avez les 72. Et après, 509. Donc, 500... et 9 à la fin. 7, 2, 5, 0, 9. 72 509. Edgley Costa, from what part of France are you, teacher? I'm from this part where we don't have any accent, according to the French Academy. Alors, numéro 6. Numéro 6, regardez, regardez. 6 chiffres, bien sûr. 6 chiffres. Je vais les lire encore une seule fois parce que je pense que c'est un bon exercice. Je vais les lire tranquillement. 287
35. Ah, e-rocking mieux qu'un prof de maths, Vincent. Ah non, j'ai fait les révisions avec Nicolas en maths et j'étais stressé. Je n'aime pas les maths. Ça n'est pas vraiment... Ça n'est pas ma matière. Alors ici, regardons ce que vous avez mis. Globalement, ça a l'air d'être assez bien. Donc la première partie, 287 000, bien évidemment, mais 287. Deuxième partie, 935. Et vous connectez tout, 287 935, 2, 8, 7, 9, 3, 5. Voilà, et on finit, bien évidemment, avec les millions. Youpi, youpi. Et même pour le million, aujourd'hui, une seule lecture. 8 371 292. Alors les millions, hein, voilà, c'est si jamais effectivement nous nous retrouvons et que vous décidez de nous inviter, la facture ou le ticket ou la note sera salée. Alors 8 millions, ça logiquement je regarde, c'est clair pour tout le monde. 371 000. Donc là, faites attention, hein, 371, 3, 7, 1, d'accord? Et puis la fin, c'est 292, 2, 9, 2. Donc la totalité, 8 371 292. Et Victoria qui dit, je voudrais 8 371 292 euros. Ah mais moi aussi, si je les trouve, on peut partager, mais on doit partager, hein. Il faut pas tout garder pour soi. Allez, soyez gentils, si vous n'avez pas cliqué sur le like, eh bien c'est l'occasion ou jamais, merci. Alors, à quoi pense-t-elle? À quoi pense-t-elle? À votre avis, elle pense à quoi, cette jeune fille? Une phrase pour me dire à quoi elle pense. Alors, Edgley Costa qui demande « Est-ce que je parle portugais ?» Malheureusement, non, Edgley, je suis désolé, je ne parle pas portugais. Alors, Ice Cube qui dit « Je voudrais répéter ces nombres après dans les autres langues. » Ah, j'avais fait des vidéos avec d'autres langues, si vous voulez. Alors, Denora qui nous dit que cette jeune fille pense qu'elle est perdue.
Souvenez-vous d'Enora, puisque ici vous allez mettre ça pour une fille, c'est une fille, vous devez mettre l'adjectif au féminin, d'accord? Et donc l'adjectif au féminin, vous allez rajouter le « e » à la fin. On ne prononce pas, mais vous écrivez « perdu », P-E-R-D-U-E, d'accord? Yulia, pourquoi c'est lundi aujourd'hui? Hero King, c'est quoi ce pip? Ah, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un bouton? Hilary, je me suis trompé. Sophia X, c'est un commentaire incroyable. Attention, Sophia X, commentaire, c'est masculin. Annabelle, quelle est la meilleure façon de commencer cet essai? C'est ça. Il était une fois. Yossi, elle fait ses devoirs et elle ne comprend pas la question. Pas de S à comprendre, enfin, à comprendre, pardon, Yossi. Omar, pourquoi j'ai effacé ça sans garder? Oh, oui, ça, c'est horrible. C'est horrible, hein. Ça, ce serait quelque chose de terrible. Ice Cube, elle regarde ta chambre, elle pense que ta chambre est bien illuminée. Oui, hein. Ah, j'ai des lumières. J'ai des lumières. Trois lumières. Incroyable. Une, deux, trois. Je ne sais pas. Je les ai montrés à Yasmine avec le téléphone. Elle a ri. Yasmine s'est moquée de moi. J'ai dit, c'est pas grave. Vouslat, elle pense à son petit ami, mais elle a l'air triste. Hein. Stéphanie, elle a l'air fatiguée ou stressée, c'est vrai. Gigates qui nous dit, elle pense que les devoirs sont difficiles, eh oui. Yesero, elle pense que la date limite approche et je n'aurais pas dû jouer aux jeux vidéo avec mes amis. Ça, c'est possible aussi. Yann Arte, elle pense que c'est un bon film. Linda qui nous dit travail, d'accord, on pourrait écrire une phrase. Kang qui nous dit, elle réfléchit à la façon de terminer pour la date prévue ou la date limite. Michael qui nous dit, elle est préoccupée pour son projet de l'université. Elle a l'air préoccupée, c'est vrai, Michael. Victoria Jacques, je peux déjà acheter un billet d'avion. Probablement, je n'ai pas regardé, j'ai arrêté de regarder toutes ces histoires, j'attends. Mais peut-être que c'est possible maintenant, Victoria Jacques, regardez. Olga, elle pense qu'elle ne peut pas écrire bien les numéros, ah mais ça arrive. Renato, elle a vu une photo sur Facebook de son mec avec une autre. Oh, alors là c'est terrible Renato, une histoire terrible. Mélissa Madrid, elle pense que je suis folle. Alors attendez, collard, je ne sais pas, entrer dans la chaîne juste pour cliquer. Bonjour à tous, bonjour Mélissa. Stardust, elle pense que ma tête fume, je veux du chocolat. ça marche, non, quand on a besoin de se concentrer ou de se relaxer peut-être, hein, le chocolat. Ice Cubes, elle demande aussi, est-ce que je vais faire un petit concert avec l'instrument derrière toi? Peut-être un jour. Peut-être, mais j'ai un autre instrument incroyable. Un instrument électronique formidable. Sundar, elle dit, mon prof Vincent est toujours gentil. Oui, mais elle a l'air triste, hein, Sundar. Elle a l'air triste. Desarlika, pourquoi c'est toujours comme ça? Roman qui nous dit, elle pense comme moi que j'en ai beaucoup, alors je suis juste assise et je pense comme ça aux leçons ou à la vie. Yesero, ah d'accord. Sophia, je dois quitter ce cours de mathématiques. Et puis, Ink thinks, elle pense que son ordinateur est mort. Allez, n'oubliez pas de cliquer, on peut arriver aux 100 likes. Et là, bien sûr, je serai un homme. Peut-être que je pourrais chanter une chanson, je ne sais pas. Alors, bizarrement, il y avait des choses qui sont arrivées. On continue avec les emojis, mais on n'exprime pas les émotions. On se sert des émojis juste pour le vocabulaire, d'accord? Allez, le premier, vous allez voir que c'est thématique, hein? Et le thème, eh bien, voilà, c'est les fruits. Qu'est-ce que c'est? Thank you.
Alors oui, faites attention parce que là, en français de France, on appelle ça une pastèque. Sophia X qui propose un melon d'eau. Le melon d'eau, on peut l'utiliser en général au Canada, mais en France, on dit une pastèque, d'accord? Donc moi je suis français, donc je vous propose une pastèque, mais vous pouvez utiliser un melon d'eau. Si vous dites un melon d'eau à des Français, c'est pas sûr qu'ils comprennent, hein. Donc pour les Français, c'est une pastèque. Allez, on continue avec le deuxième. Le deuxième, regardez, qu'est-ce que c'est? Alors, je regarde. Bon, ici, oui, Julia, pamplemousse. Bon, peut-être qu'on aurait pu, j'aurais pu élargir un petit peu. Je m'étais dit, une orange. Et là, c'est ce que vous proposez. Je l'avais mis en premier. Une mandarine ou une clémentine. Ça, c'était des options. Donc, éventuellement, donc, une orange, une mandarine, une clémentine. Bon, après, est-ce que une pastèque, un petit peu plus gros, mais bon, tout ça, c'est négociable. Bickert nous rejoint. Bonjour, Bickert, participez. On fait un exercice de vocabulaire. Troisième, c'est les fruits. Le troisième, quel fruit est-ce que c'est? Allez-y. Ice Cubes qui n'aime pas les oranges. Qu'est-ce qui se passe, Ice Cubes? Est-ce que c'est possible? Remarque, tout est possible. Mon fils n'aime pas les tomates. Mystérieux, hein? Alors, regardez ici, donc c'est masculin, hein, c'est citron, faites attention, c'est un citron, ça n'est pas une citron. Je regarde, et tout le monde, oui, me l'a donné. Sundar a proposé une mangue, mais pas vraiment ici, c'était vraiment un citron. Numéro 4, on continue, qu'est-ce que c'est? Voilà, bon bah là c'est pas très très compliqué, c'est effectivement une banane. Donc faites attention Stardust, hein, ça n'est pas une banana, mais c'est une banane à la française s'il vous plaît. Numéro 5, qu'est-ce que c'est? Alors ici, effectivement, avec deux prononciations possibles, mais bon, en général, vous n'entendrez pas le S, un ananas, ce qui est très amusant à prononcer, un ananas
ou alors vous pouvez entendre parfois un ananas. Donc il y a les deux prononciations que vous pouvez entendre. Un ananas ou un ananas. Allez, sixième. Le sixième, eh bien, voici ce fruit. Alors, vous êtes actuellement 100 personnes à regarder. S'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like si vous venez d'arriver. Alors ici, nous étions à la recherche, eh bien, du mot pomme. Une pomme, la fameuse pomme que Ice Cube utilise pour sa tarte. La pomme. Alors, donc féminin, singulier, nous sommes d'accord, une pomme. Allez, le septième, regardez, qu'est-ce que c'est ? Et c'est Cheryline qui est en première position, la spécialiste des fruits et légumes. Et c'est une poire, nous sommes d'accord, une poire. On l'écrit P-O-I-R-E, O-I comme d'habitude, wa-wa-wa, une poire. Donc c'est féminin. Allez, huitième, allez-y, qu'est-ce que c'est ? Un grand merci à Gloria. Qui connaît mon addiction au café ou aux boissons caféinées? Et oui, merci, merci beaucoup Gloria qui m'offre un café et c'est toujours très aimable. Merci. Alors ici, effectivement, ce sont des cerises, hein, donc c'est au pluriel, c'est féminin pour votre information, c'est une cerise, mais donc ici, des cerises, puisqu'il y en a deux. Et nous terminons pas, qu'est-ce que c'est ? On a encore deux, qu'est-ce que c'est ? Allez-y. Et je regarde, et c'est encore Cheryline qui est la première pour nous dire une fraise. C'est très bien écrit, je regarde, écoutez, apparemment, il n'y a pas de problème, c'est bien féminin, tout le monde l'a bien écrit, je dis bravo. Attention Yann Arte, c'est fraise, avec un E à la fin, d'accord? Regardons maintenant, le dernier, et le voici. Yeah.
Voilà, parce que Chrismo attendait. Chrismo, j'avais remarqué où est-ce que, quand est-ce que ça arrive. Et là, Chrismo l'écrit en capital avec des points d'exclamation. Un plaisir incroyable. Oui, ce sont des myrtilles. Alors, myrtilles, là, c'est la même chose. C'est pour les Français. Je regarde s'il y a des personnes qui vont proposer bleuet. Si vous écrivez bleuet, ça veut dire que ça, c'est pour le Canada. Mais les Français disent myrtille. Ice Cube qui dit des champignons bleus. Mais c'est pas des champignons. C'est des myrtilles. Oui, donc myrtille ici c'est le pluriel, mais c'est en fait féminin. Une myrtille. Et Victoria Jacques qui dit Chrismo aime les myrtilles. Apparemment. Apparemment, Stéphanie nous propose les mystères. Non, 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 Stéphanie, ça c'est autre chose. Stéphanie, ça n'est pas les mystères, c'est les myrtilles. Allez, merci beaucoup. Si vous êtes arrivé, bonjour Stella, n'oubliez pas de cliquer sur like avant de commencer le cours, ce serait très 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 gentil, on est très très près des 100 et souvenez-vous, l'idée c'est d'arriver à 100 et vous êtes plus de 100 personnes actuellement, donc je pense que c'est possible. Alors, Ink Things, combien de temps est le flux du... Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas. Au début, il y avait un... on avait un timing, quelque chose, mais là, on fait les exercices. On fait les exercices, je ne sais pas. Alors, comme vous le savez, hein, c'est possible de m'envoyer des photos. L'adresse, c'est vos photos at fluent2plus.com. Une photo, clic-clic, un petit texte, c'est formidable. Regardez, et Denora, qui est ici, Denora Olson, a envoyé deux photos, des photos d'été. Et ça, c'est sympathique, Denora, de nous donner cette petite bouffée d'oxygène, de penser à l'été. Ça, c'est la première photo que Denora partage. Et ça, c'est la deuxième. Et moi, je vous pose la question... Que pensez-vous de cette idée de reconversion de piano? Est-ce que vous trouvez que c'est joli? Est-ce que vous trouvez que c'est sympathique? Quelle est votre opinion? Allez-y. Ice Cube qui dit que ça dépend de Nicolas. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai, si Nicolas frappe à la porte, c'est fini. S'il commence à frapper à la porte, ça veut dire qu'on a une minute pour finir. C'est aussi simple que ça. Alors, Andreas Coronel nous rejoint. Bonjour, n'oubliez pas de cliquer sur like. Couli, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Couli. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Et cliquez sur le like, comme ça, nous arriverons au 100. Alors, Sundar nous quitte. Au revoir, Sundar. Bonne nuit et à demain. Alors, Ink Things qui dit « C'est une bonne idée en théorie, mais c'est vraiment laid malheureusement. » Oh, je ne sais pas. Pourquoi c'est laid? C'est la couleur qui vous déplaît ou le... Je ne sais. C'est vraiment discutable, ça. Ah, les goûts et les couleurs. Riena, je pense que ce meuble sera ruiné quand il pleut. C'est possible aussi. Ah, avec le bois, peut-être que la pluie va abîmer. Ça, c'est tout à fait possible, effectivement. Ice Cubes, je suis jalouse. Tout le monde partage de magnifiques photos. Ben, Ice Cubes, clic, clic. Vous avez partagé... Moi, la tarte à la pomme, je voudrais la voir. Vous, cela, je la trouve intéressant. Olga Ruiz qui dit « Très bon, je voudrais jouer du piano. » Effectivement. Sophia qui nous dit « J'aime bien l'idée de reconversion de piano. Ben, » c'est vrai, pourquoi pas, finalement. « Mélissa, c'est une excellente idée. » Je dis « Mélissa, c'est très beau, mon Dieu. »
Omar, le piano est un instrument magnifique et un mélange avec la nature, je crois que c'est parfait et joli. Stardust qui nous dit « Oui, je pense que c'est une bonne idée de reconvertir des choses qui ne sont plus utilisées en quelque chose d'utile. C'est une bonne idée d'utiliser le piano comme parterre de fleurs. » Yesero qui nous dit « Oui, c'est impressionnant, mais je devine que tu ne peux plus jouer du piano. » Ou alors vous faites comme ça, Yesero, et avec la bouche, vous faites les bruits. Pom 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 pom, ça c'est possible. Hillary qui dit c'est mignon si le piano est cassé. Ah bah oui. Hero King qui nous dit un piano qui nous offre un son floral. Oh, ça c'est intéressant. Hero King, c'est magnifique. Hero King, c'est la poésie de la journée, je pense. Bickert, c'est très intéressant et romantique. Michael qui nous dit c'est génial. Ice Cubes qui nous dit « J'aime la nouvelle couleur du piano. » Ah ben c'est rouge-rouge. Hein. C'est, oui, c'est un rouge intéressant. Annabelle qui dit « Le rouge est parfait. » Oui, parce que... hein, moi j'ai une bonne mémoire. Je... Annabelle, elle adore le rouge. Annabelle adore le rouge et donc elle doit être contente. Stella qui dit « À mon avis, c'est une bonne façon d'essayer quelque chose de nouveau. » Ben oui, c'est vrai. Stéphanie qui dit qu'il s'agit d'un piano. Eh oui, Stéphanie. Cheryline, c'est une bonne idée. Mais je préférerais que les couleurs soient coordonnées. Ah, ben oui, mais c'est les fleurs, vous voulez dire, ou la couleur du piano en priorité? Parce que c'est ça la question. Hein. Julia qui dit que c'est beau. Romane qui dit, je pense que c'est beau, car... Et ce... Alors... car ils ne sont que des échantillons, donc je n'aime pas changer cela. Stella qui dit « On peut s'exprimer romantiquement ». Anne-Vi qui dit « C'est trop chou ». Yann Arte qui dit « C'est un peu kitsch ». Victoria Possé qui dit « La reconversion est très printanière ». Habibi qui nous rejoint. Bonjour Habibi, cliquez sur « Like » s'il vous plaît Habibi. Dessarlika qui nous dit « Je ne sais pas jouer du piano ». Et Victoria Jacques qui nous dit « Une belle idée surtout d'être en image ». Alors n'oubliez pas hein, que si vous voulez envoyer les photos, eh ben, c'est là. Et c'est vosphotos@fluentouplus.com avec un petit texte s'il vous plaît. Merci. Il manque juste deux likes. D'après ce que je vois, il en manque deux. S'il y a deux personnes qui n'ont pas encore cliqué sur le like, il faut y aller. Allez-y, faites-moi plaisir, je serai un homme heureux. Alors, on continue avec notre exercice. Comment traduiriez-vous ? Ça, on le fait en général à un niveau débutant, mais on va continuer avec le premier. Ce sera uniquement dans cet exercice des adverbes. D'accord ? Uniquement des adverbes. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, nous avons réglé cette formalité. Sans like, c'était le minimum. Ouais, alors effectivement, la traduction en français, ce sera rarement, nous sommes d'accord, que ces adverbes sont construits à la base sur les adjectifs. L'adjectif, c'est rare. Normalement, nous devons utiliser le féminin. C'est la même forme, rare. Et nous ajoutons « ment », rarement. D'accord ? Allez, on continue avec le deuxième. Allez-y. Thank you.
Rihanna, j'ai déjà chanté un petit peu. J'avais chanté, je peux chanter la la la, mais on va voir. Alors effectivement, faites attention avec cette catégorie d'adverbes, puisque ce sont des adverbes qui, comme vous le voyez, sont basés sur des adjectifs qui se terminent en I, E, N, alors là c'est T, donc patient, féminin patiente, mais après on va changer, on va l'écrire E, M, M, E, N, T. Et alors faites très très attention, parce que je vais vous le mettre comme ça, j'espère que ça va marcher, et bien sûr ça ne marche pas, je le mets en rouge, regardez. Ouais, et donc là, phonétiquement, et ça c'est très important, vous allez le prononcer le E comme un A. Et ça c'est fondamental, d'accord? Donc le E va être prononcé comme un A. Donc vous allez prononcer cet adverbe patiemment. Patiemment. D'accord? Ça, c'est la particularité de ces adverbes-là. Donc, patiemment, voilà. Le troisième, regardons ensemble le troisième. Eh bien, voici comment est-ce que vous pourriez traduire cet adverbe « quickly » en français. Alors, Julia qui nous quitte, bonne soirée Julia et à demain peut-être. Ouais, alors là j'en accepte deux, effectivement, j'en accepte deux. Alors le premier qui est vraiment un adverbe de manière, c'est-à-dire qui se termine en « ment ». Rapidement, qui est basé sur l'adjectif rapide. Rapide masculin, rapide féminin, même forme. Vous ajoutez ment, rapidement. L'autre possibilité, c'est l'adverbe vite, qui est beaucoup plus court. Mais les deux peuvent être utilisés finalement de la même façon. Allez, numéro 4, et c'est « slowly ». Comment est-ce que vous pourriez dire ça en français? Alors, je regarde, je crois que c'est Enzine qui est en première position, mais il manque quelque chose. Enoch, c'est pareil, c'est pas vraiment parfait. Cherylyn, incroyable. Linda, juste après. Bickert, c'est bien. Hilary, très bien. Regardons ensemble. Donc, l'adjectif, c'est lent, L-E-N-T, masculin. Féminin, lente, L-E-N-T-E. Ça, c'est votre base. Et vous rajoutez ment. Lentement. D'accord, ça c'est notre adverbe, lentement. Allez, numéro 5, kindly. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Chrismo, pourquoi pas doucement? Ça dépend du contexte, Chrismo. C'est-à-dire que la première traduction serait clairement lentement, puisque c'est le contraire de rapidement. Doucement, ça dépend du contexte. Ça peut être une question d'intensité, c'est variable. Mais la première traduction directe, ce serait quand même lentement. Alors, kindly, eh bien, c'est gentiment. Regardons ensemble. Oui, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Victoria Jacques, attention, gentil,
c'est l'adjectif, d'accord? Ici, on recherche des adverbes, c'est-à-dire que vous allez connecter à des verbes. Hein. Victoria Posse, oui, non, c'est bien, effectivement. Faites attention, Yann Arte, gentiment, hein, G-E-N-T-I-M-E-N-T. Grismo, sympament n'existe pas. mais il faut contacter, on va faire une liste. La liste que l'on va transmettre à l'Académie française, mais sympament n'existe pas encore. Allez, numéro 6. Numéro 6, terribly. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Alors, je regarde. Ink Thinks, oui, en première position. Alors, personnellement, Ink Thinks, dans ce type d'exercice, j'aime bien essayer de coller au maximum. Après, tout est question de contexte. Et bien sûr qu'on pourrait imaginer que horriblement pourrait, dans une certaine situation, être une bonne traduction. Ici, l'idée, c'est de rester un petit peu le plus proche de la version anglaise. Terrible existe en français comme adjectif. Vous avez la même forme au féminin, terrible. Vous rajoutez « ment » et vous obtenez tout simplement « terriblement ». Allez, on continue avec le numéro 7. Numéro 7, « especially », comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français ? Alors, Chériline nous propose notamment, oui, cette même chose, hein, Tenzin, ça dépend un petit peu du contexte, Hilary aussi. Especially, on pourrait rester très proche et proposer spécial. Spécialement. Notamment, bien sûr, dans certaines situations, on pourrait l'utiliser également. D'accord ? Allez, on continue avec le numéro 8. Le numéro 8, eh bien, c'est... voilà. Qu'est-ce que c'est en français ? Alors, c'est Stéphanie. Stéphanie est en première position. Bravo, bravo, avec un bel accent. Donc, effectivement, particulier, particulière, particulièrement. Là, c'est bien. Pas de problème, je regarde. Annabelle, c'est très bien écrit. Chériline aussi. Hilary, faites attention, Hilary, c'était particulier. Particulière, hein. L-I-E-R. Et après, vous continuez particulièrement. Allez, le numéro 9, Sam Louis. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à cliquer et participer à l'exercice. Nous faisons un exercice de traduction d'adverbes. Hein. C'est uniquement des adverbes, d'accord ? Allez-y, s'il vous plaît, traduisez-moi « strangely ». Alors, Chériline est la première, effectivement, dans ces cas-là, on essaye, hein,
D'accord, de rester le plus proche de la version anglaise. Alors, étrangement, serait la première traduction. Omar nous propose bizarrement. Oui, c'est tout à fait possible. Inkthings va vers bizarrement aussi. Alors, étrangement, bizarrement, sont les deux options que nous aurons ici. Et puis, on va finir avec le numéro 10. Le numéro 10, eh bien, le voici. Admirably, comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Allez-y. Alors, regardez, là, c'est la même chose. Hein. On essaye de rester le plus proche possible de la version anglaise qu'on vous propose. Eh bien, l'adjectif « admirable » existe, hein, quelque chose que vous pouvez admirer. Admirable, féminin, c'est la même forme. Admirable, vous rajoutez « ment », admirablement, et vous obtenez, eh bien, votre adverbe. Inkthings, oh, c'est facile, c'est la même chose. Bah oui. Parfois, il ne faut pas chercher la complication. Allez, n'oubliez pas de cliquer si vous venez d'arriver. Ça me fera plaisir. Essayons d'avoir le maximum de likes possible. Le mot du jour, c'est un classique, s'il vous plaît, un seul mot pour résumer votre journée. Un seul mot, je ne veux pas de phrase, je veux un mot qui peut, eh bien finalement, résumer votre journée. Allez-y. Alors, Aslam Ikram qui demande l'heure pour le début de la classe. Vous allez sur la chaîne Aslam Ikram et vous regardez, tous les lives sont programmés. Donc, vous allez voir l'heure à laquelle ça arrive. Allez sur la chaîne et vous allez tout voir. D'accord ? Sonic qui nous dit gentiment, ben ça c'est chouette. Yesero qui nous dit étudier. Victoria Jacques, optimiste. Eh bien, voilà, Victoria Jacques, ça y est. Elle n'est plus fatiguée. Non, c'est fini. Sophia X qui nous dit qu'elle était dépêchée. Elle s'est dépêchée. Stardust, tristesse, menon. Moi aussi, j'étais pas très très en forme aujourd'hui. Bickert, parfait. Hilary Owell, sympa. Desarlika, restez. Annabelle, fabuleuse. Ah, ben là, c'est difficile. C'est difficile à battre, c'est formidable. Bravo. Mercurial Man, productif. Eh ben ça fait plaisir. Olga qui nous dit, génial. Hossein qui nous dit, fatigante. C'est vrai, Hossein? Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi? Hero King, gravure. Ça, c'est intéressant. Inkthings, je pense que les likes sont plus utiles que les abonnés parce que les gens peuvent liker beaucoup de fois, mais les abonnés seulement une fois. Non, on ne peut liker qu'une seule fois, Inkthings. C'est le concept. Omar, occupé. Ça, c'est bien. Cheryline, couverte pour la météo. Cheryline, elle n'aime pas le froid. Elle n'aime pas le froid. Elle veut qu'il fasse toujours chaud partout. Roman qui nous dit excitation. Victoria Possé, animée. Ça, c'est bien. Denora, faire du vélo. Super. Alors là, le vélo, c'est formidable. Vouslat qui nous dit cuisiner. Yann Arte qui nous dit occupé. Merci beaucoup. Allez, dictée et citation.
Comme je vous avais dit, nous allons faire des dictées, mais à ce niveau-là, je me disais que ce serait plus intéressant de faire des citations plutôt que des phrases. Et puis on pourra revenir aux phrases plus tard. Allez, et aujourd'hui ce sont des citations sur le bonheur. Première phrase, je vais la lire deux fois et vous allez l'écrire s'il vous plaît. Le bonheur est comme un papillon, virgule, il vole sans jamais regarder en arrière. Le bonheur est comme un papillon, virgule, il vole sans jamais regarder en arrière. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, Stéphanie qui dit merci beaucoup. Ben, mais merci à vous, Stéphanie. Hein, bienvenue pour la prochaine fois. Si vous voulez nous rejoindre, c'est tous les jours du lundi au samedi à la même heure. Alors là, je vois que ça commence à arriver. Hein. Donc ici, vous voyez à votre écran la phrase. Donc le bonheur, je vois qu'il n'y a pas de gros problème, est comme un papillon. Papillon avec deux L, hein, nous sommes d'accord. Il vole, troisième personne du singulier pour le verbe voler, verbe régulier, V-O-L-E. Sans jamais... Regardez, infinitif, hein, faites attention, ça doit être à l'infinitif, donc ER. En arrière, arrière, idéalement, si vous avez un accent grave sur votre clavier, mettez l'accent grave sur le premier E. A-R-R-I, E, accent grave, R-E, d'accord ? Le bonheur est comme un papillon. Il vole sans jamais regarder en arrière. Il ne tourne pas la tête. Peut-être qu'il faudrait faire comme ça. Allez, on continue avec la deuxième citation. J'espère que vous êtes prêts. Tourne-toi vers le soleil, virgule, et l'ombre sera derrière toi. Tourne-toi vers le soleil, virgule, et l'ombre sera derrière toi. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, je regarde, ça commence à arriver. Donc ici, eh bien, tourne-toi. Nous sommes d'accord que c'est un impératif. Et donc, l'impératif ici du verbe tourner, qui est du premier groupe, doit être sans le S. Donc, tourne-toi. Après ça, vers, souvenez-vous, on écrit V-E-R-S, hein, vers le soleil. Soleil, en général, je regarde. Non, c'est bien écrit. Ah, Cassandra n'avait pas entendu. Soleil, alors Cassandra, S-O-L-E-I-L. D'accord ? Soleil. Et l'ombre. Ici, nous parlons du nombre. Hein, donc, L apostrophe O-M-B-R-E. Et l'ombre sera
Sera, c'est le verbe être au futur simple. Troisième personne du singulier. L'ombre sera derrière. Encore une fois, accent grave, toi. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Ice Cube qui dit « J'aime cette phrase ». Moi aussi, je l'ai trouvée sympathique, cette phrase. C'est un proverbe, je ne sais plus de quelle origine, mais c'est un proverbe. Elle est sympa, c'est vrai. Allez, on continue. Numéro 3. Regardons numéro 3. Une toute petite seconde, je mets voilà. On y va. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, je vois que ça commence à arriver, donc je vous montre la phrase. Le bonheur, donc ça maintenant, on sait l'écrire, on en parle depuis le début des dictées, c'est, donc c'est apostrophe EST, de continuer à l'infinitif, automatiquement, donc ER, à désirer, encore une fois à l'infinitif. Ce qu'on possède. Faites attention, ici possède, puisque on est le sujet, on, troisième personne du singulier. Possède doit être à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire e à la fin. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Voilà, voilà, Andrea qui nous rejoint. Bonsoir, vous êtes un peu en retard, mais c'est pas grave. On finit, je ne sais pas exactement ce qu'il reste, je ne me souviens plus. Mais là, nous sommes dans les dictées et les citations. Allez, la quatrième, la voici. Je vais la lire deux fois comme d'habitude. Je ne veux désormais que collectionner les moments de bonheur. Je ne veux désormais que collectionner les moments de bonheur. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, je regarde ce que vous écrivez. Faites attention, apparemment, hein. Désormais, certaines personnes l'ont mal écrit, mais c'est pas très très grave. Regardez, hein, désormais, hein, c'est D-E accent aigu, S-O-R-M-A-I-S. D'accord ? Donc ça, c'est désormais. Alors, la première partie, je ne veux que. Hein, souvenez-vous, c'est la restriction ne que. Donc, je ne veux, bien sûr ici, première personne, du singulier, V-E-U-X.
X. Désormais que collectionner doit être, bien sûr, à l'infinitif ici. Les moments, moments au pluriel, avec le S à la fin, de bonheur, on l'a déjà vu beaucoup de fois. Je ne veux désormais que collectionner les moments de bonheur. Allez, et la dernière, alors attendez, la dernière, la voici, elle est assez courte. La joie de vivre n'est pas un but, virgule, c'est un devoir. La joie de vivre n'est pas un but, virgule, c'est un devoir. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors effectivement, faites attention, but, Ice Cube, vous avez écrit avec un E à la fin. Alors il y a deux prononciations possibles. Hein. Certaines personnes vont prononcer le T, d'autres ne vont pas le prononcer. Je supposais que si je le prononçais, c'était plus facile pour vous. Alors la joie, souvenez-vous, on écrit ça J-O-I. E, d'accord. Le E final, bien sûr, n'est pas prononcé. De vivre, le verbe à l'infinitif, donc V-I-V-R-E, n'est pas un but, n'est pas un but, B-U-T, c'est un devoir. Ici, c'est le substantif, hein. Un devoir. Devoir, vous l'écrivez bien sûr comme le verbe. D-E-V-O-I-R. La joie de vivre n'est pas un but, c'est un devoir. Merci et bravo pour la dictée, c'était bien. Et Hirokin nous dit « Sur ces belles pensées, je vous quitte !» Merci. Ben merci à vous, Hirokin, d'être passé. C'était très gentil. Regardez cette photo. Que se passe-t-il ? Une phrase pour me dire ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette photo ? Alors, j'attends vos phrases avec impatience. Vous le voyez, je trépigne. Je veux lire vos phrases. Essayez de m'expliquer ce qui se passe dans cette photo. Il y a quelque chose de mystérieux. Cette femme, cette fille, a un regard étrange. À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Adenora. Dénora, avec elle, c'est tragique direct. Hein. Tu as volé mon homme. Ah, mais donc l'homme, c'est celui qu'on voit derrière, alors c'est ça.
C'est terrible. Omar qui dit c'est la fin de la fête et peut-être qu'elle est un peu triste, c'est possible. Linda, tourne-toi vers le soleil. Ah oui, d'accord. Linda, rafraîchissez. On n'est pas synchronisés. Yesero, ils sont des bobos qui essayent d'impressionner tout le monde au restaurant, mais ils ont échoué. C'est possible. C'est vrai qu'il y a un petit côté bobo, vous avez raison, Yesero. Sonic, quelqu'un vient de dire quelque chose de bête et elle ne le croit pas. C'est possible aussi. Des fois, les gens disent des choses intéressantes hein, dans des dîners. Stéphanie John, ils sont modèles avec un S. Roman, la façon dont elle pense semble qu'elle n'est pas contente de cette invitation. Bah peut-être. Il y a quelque chose qui se passe. Elle n'est pas heureuse. Hein. Dessar Lika, c'est leur premier encart. Et ils ne sont pas contents. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Dessar Lika? Pourquoi est-ce que ce premier rendez-vous se passe mal et peut-être même d'une façon tragique? On ne sait pas. Sophia X, le garçon amenait sa copine pour aller rencontrer ses parents dans un restaurant. Et donc, elle est triste de voir les parents. Gigates, la femme a l'air en colère ou jalouse. Ben c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe. Bickert, je pense que les gens sont dans un studio de film. Ah, vous pensez, Bickert, que c'est totalement, oups, artificiel. Victoria Jacques, elle est folle parce qu'elle n'a pas vu de photo de votre raclette. Ah, c'est pas le genre de personne. C'est pas le genre de personne qui mange de la raclette. Hein. Non. Elle doit manger des figues. Et un tout petit peu, ou des dates. Stardust, c'est un bon repas où quelque chose dérange la femme. Ben oui, peut-être des problèmes avec son petit ami. Le vin est le meilleur choix. Si je choisis entre mon petit ami et le vin, eh bien, je choisis le vin. Victoria Possé, la femme n'a pas aimé le dîner et elle part directement. C'est brutal quand même, non? Si, c'est parce que il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Allô, Kaïsa, l'amour de l'affection que j'ai trouvé à la fête de Noël. Oui, mais elle n'a pas l'air très heureuse quand même, allô, Kaïsa. Vouslat, la fille a un regard mécontent. Ben oui, Vouslat, c'est vrai. Olga, ils mangent et ils sont heureux, mais pas d'appétit, c'est possible. Mélissa Madrid, ses parents les obligent à rester à manger, mais ils ont d'autres plans. Ah, peut-être qu'ils voulaient sortir, qu'ils voulaient faire des choses, mais les parents leur disent non, vous restez à table. Et Dessar Lika qui nous dit ils ne s'aiment pas les uns les autres, c'est possible aussi. Annabelle qui nous dit l'effet temporaire de passer la jeunesse. Ah, vous, peut-être quand on est jeune, on fait la tête très facilement, c'est possible. Merci beaucoup. Allez, on va continuer, mais on va probablement finir avec celui-là. C'est toujours les emojis. C'était aujourd'hui le fil conducteur emoji. Mais bien sûr, c'est pour le vocabulaire. Et on attaque avec le premier. Avec le premier, qu'est-ce que c'est? Des choses qu'on peut trouver bien dans la maison. Qu'est-ce que c'est? Alors, Edgley qui nous écoute dans la douche, sous la douche. Faites attention à sous la douche, c'est dangereux. Alors oui, là on est d'accord qu'effectivement, j'attendais une chaise. Donc c'est féminin, c'est une chaise, C-H-A-I-S-E pour l'instant. Tout est bien, il y a quelques personnes qui sont un peu timides, qui regardent mais qui ne participent pas. Numéro 2, allez, numéro 2, eh bien qu'est-ce que c'est ?
Alors oui, effectivement, c'est une fenêtre. Avec cette expression très sympathique, j'étais en train de discuter avec Yasmine, ma fille, au téléphone. Et il y a cette expression qui m'est venue parce qu'elle avait des difficultés à faire quelque chose. Et je lui ai dit, n'oublie pas cette expression formidable. Quand tu ne peux pas passer par la porte, passe par la fenêtre. Moi, je la trouve formidable. Allez, qu'est-ce que c'est justement? Qu'est-ce que c'est? Ah, Ice Cube, ce qu'il y a à la cuisine. Clink, le frigo, c'est normal. C'est normal, c'est difficile de tout faire en même temps. Alors, c'est effectivement une porte. Hein. Donc, porte, souvenez-vous que c'est féminin et on l'écrit P-O-R-T-E. Numéro 4, qu'est-ce que c'est? Alors, et Jacqueline qui nous dit « Je suis dans la salle à manger », mais c'est bien. Alors, actuellement, nous avons quelqu'un qui est sous la douche, quelqu'un qui est dans la cuisine et quelqu'un qui est dans la salle à manger. Eh bien, tant mieux. Regardons, j'avais deux choses en tête ici. La première chose, eh bien, c'est le canapé. Desarlica, un sofa. Oui, on comprend, mais en général, on parle d'un canapé. Avec l'accent aigu, si vous avez l'accent aigu sur votre clavier. Et puis, vous auriez pu dire une lampe aussi. Faites attention, David Ben, canapé, ça n'est pas ET, mais c'est vraiment E accent aigu. Allez, on continue, numéro 5. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et là, je pense que Victoria Jacques, elle aime bien. Elle aime bien. Elle aime bien ça. Et il faut s'en servir. Alors, Yessero qui dit qu'il y avait une lampe, je ne l'avais pas remarqué. Oui, c'était une sorte de lampe un petit peu design, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pas très grave. Ici, oui, quelque chose de très, très important dans la vie, hein, c'est un lit. Un lit, il faut bien dormir, il faut dormir dans des bonnes conditions. Rihanna qui dit qu'en anglais, canapé is an order. It's the same, Rihanna, in French. And basically, it's coming from French. But it's the small one. Un canapé. I mean, the real one, you will sit on it. Before it was because of the shape. This is the concept. This is where the word canapé for the hors d'oeuvre is coming from. Allez, c'est un lit. Eh bien, numéro 6, qu'est-ce que c'est? Alors, je regarde, soit c'est une douche, ou alors Chériline qui veut être
précise, une pomme ou un pommeau de douche, effectivement. Faites attention, à Kangsha, c'était pas une donche, mais c'est une douche, hein, effectivement. Numéro 7, qu'est-ce que c'est ? Brainwash qui dit un truc bizarre. Ah, peut-être que c'était trop petit, excusez-moi. Alors, c'est effectivement Bicotte qui est en première position, mais regardez, faites attention, c'est féminin. C'est féminin, baignoire, hein, pour la prononciation, c'est gne, baignoire, une baignoire. Alors, Stardust qui est effectivement très puriste, qui nous dit une baignoire avec douche. Et c'est vrai. Mais on va dire que, effectivement, la baignoire, c'était peut-être l'élément principal. Faites attention, David, oui, pour l'écriture. Hein, donc, B-A-I-G-N-O-I-R-E. Baignoire. Une baignoire, c'était ce qu'on cherchait. Numéro 8, qu'est-ce que c'est ? Alors, Olga qui nous dit « Je ne peux pas voir avec mon téléphone ». Oui, mais le problème, Olga, c'est des emojis, c'était très petit. Donc, les autres exercices, ce sera avec des photos, des images plus grandes. Pas de problème. Alors, c'est intéressant, je suis d'accord avec Stardust, Bickert, Sherilyn, Sonic, Desarlika, Yesero aussi. Oui, c'est un savon. On peut aussi entendre le mot savonnette, hein, une petite savonnette. Donc, savon ou savonnette, masculin ou féminin. Et Olga qui dit quelque chose de vert. Allez, numéro 9, qu'est-ce que c'est ? Akanksha, oui, c'était soap en anglais. Alors, je rejoins Stardust, Yesero, Sherilyn aussi. C'est une brosse à dents. Et puis, comme on a plusieurs dents, eh bien, dents doit être au pluriel. Une brosse à dents. Alors, Harvey McKinley, vous arrivez juste pour la fin. Désolé. On a fait 2 heures là quand même. Hein. Sherilyn, quelle est la différence entre un savon et une savonnette ? La savonnette est plus petite, parce qu'en général, le suffixe « et », c'est pour dire quelque chose qui est petit. Le savon, mais finalement, ça indique aussi la matière, ce que vous utilisez. Donc, c'est du savon ou c'est une savonnette. Hein. Savonnette, vous ne pourrez pas utiliser le partitif. Vous n'allez pas dire « de la savonnette », c'est bizarre. Mais vous pouvez dire « du savon ». Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, et là, c'était effectivement une éponge. Une éponge, c'est féminin. E accent aigu, P-O-N-G-E.
1. Une éponge, voilà. Si vous venez juste d'arriver, n'hésitez pas à cliquer. Attendez, je regarde une petite seconde, juste pour voir ce qu'il... Bon, on va voir, allez. À votre avis, c'est le meilleur endroit pour quoi ? Une phrase. Alors Victoria Bossé qui dit « J'aime le mot savonnette ». Oui, et en général, c'est celui qu'on utilise, hein, une savonnette. Souvent, les mots avec ce préfixe « être », hein, qui est petit, c'est sympathique. Ça sonne bien, une savonnette, une camionnette, un petit camion, etc., etc. Alors, Concepcion Avelar nous rejoint du Salvador. Bonjour, bonjour, mais c'est la fin, Concepcion Avelar. Malheureusement, demain, vous arrivez 2 heures avant. Alors, on y va. C'est le meilleur endroit pour... Denora nous dit pour explorer la ville. Bickert qui nous dit pour passer un merveilleux moment ou une journée merveilleuse. Anvi qui nous dit c'est le meilleur masculin endroit pour dormir comme une baleine. On ne peut pas dormir comme une baleine. C'est un bateau mouche. Des sarlicas. Le pont que vous affichez, c'est à Montpellier. Ah non, 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 non. Ici, c'est à Paris. C'est à Paris, ici. Je regarde. Ice Cubes qui nous dit c'est le meilleur endroit pour voyager. Mélissa Madrid, c'est le meilleur endroit pour choper le virus. Oui. Ah oui, une concentration de gens qui est incroyable quand même. Ensuite, Boris qui nous dit bonsoir. Bonsoir Boris. Roman qui nous dit c'est le meilleur endroit pour les matins pour marcher avec un café chaud. D'accord. Ensuite, Brainwash, c'est le meilleur endroit pour jeter une pierre dans l'eau. Pas sur le bateau mouche, non. Nicole Rieux. Ok, Nicole, this lesson is only in French and tomorrow it will be at the same time only in French. But then the day after, so basically in 2 days, it will be in English and in French. So it's for beginners. So look at the channel and you can see the live that are programmed. So it's easier. If you don't want to feel too much overwhelmed by the fact that it's only in French, come in 2 days. D'accord, Nicole? Yesero, c'est le meilleur endroit pour profiter d'un après-midi avec ta famille sur un bateau. Akanksha, c'est le meilleur endroit. Répétez le conseil des Sarlika, c'est le meilleur endroit pour explorer la ville. Oui. Olga, oui, c'est le meilleur endroit pour conduire ta voiture. Plouf! Omar, c'est le meilleur endroit pour faire la sieste. Victoria Possé, c'est le meilleur endroit pour y aller immédiatement quand le confinement est terminé. Ouais, mais avec des masques, hein, quand même. Il faut faire attention. Sophia X, c'est le meilleur endroit pour passer du bon temps et s'amuser dans une ville magique. Rihanna, c'est le meilleur endroit pour voir Paris. C'est vrai qu'on visite bien, on voit bien sur les bateaux mouches. Stardust, c'est le meilleur endroit si vous aimez l'eau et les bateaux. La vie colorée sur le rivage rend la vie plus belle. Annabelle, c'est le meilleur endroit pour se promener au bord de la rivière. Victoria, Jacques, c'est le meilleur endroit pour visiter Paris en bateau. Ils servent le dîner et les boissons. Yann Arte, c'est le meilleur endroit pour naviguer. D'accord. Et vous, Slat, c'est le meilleur endroit pour découvrir l'environnement, les environs. Cheryline, c'est le meilleur endroit pour risquer de se noyer si le bateau coule et que vous ne savez pas nager. Oh, il ne faut pas aller sur le bateau si vous ne savez pas nager. Ça n'est pas raisonnable du tout.
Alors n'oubliez pas que dans 4 jours, eh bien, ce sera youpi l'anniversaire. Je ne sais pas quoi faire, donc j'imagine qu'on va faire un cours normal avec quelques exercices comme d'habitude. Merci beaucoup, c'était vraiment sympa. Demain, bien sûr, c'est à la même heure, c'est le niveau avancé en français. Après ça, ce sera niveau débutant en anglais et en français. Et on continue comme ça jusqu'à samedi. Merci beaucoup, c'était vraiment chouette. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit et à demain.